La longévité de la batterie Tesla est meilleure dans les climats plus froids, selon une nouvelle étude. Ah bon? Tiens donc, pourquoi donc? C'est étonnant ça. La société récurrente, qui a accès aux données de plus de 12 500 véhicules Tesla aux États-Unis via son service logiciel, a publié de nouveaux regards intéressants sur les batteries. Le mois dernier, ils avaient également dit que la longévité des batteries Tesla n'est pas affectée négativement par les supercharges fréquentes, mettant fin à un mythe de longue date. Désormais, l'entreprise utilise ces données pour montrer clairement comment différents climats peuvent avoir un impact sur la longévité des batteries. Récurrente attribue un score de portée à chaque batterie qu'il suit. Il s'agit essentiellement du pourcentage de rétention de l'autonomie. Par exemple, un score de 90 signifierait que la batterie a conservé 90% de son autonomie d'origine. D'accord, donc là on est à 95 dans les États du Nord et 92 dans les États du Sud. Ok. Par contre, le centre-ouest, bof, y a rien quoi. Ok. Bizarre. Le froid extrême affecte négativement l'autonomie des véhicules électriques car la gestion thermique active dépense une grande partie de l'énergie du pack pour réguler la température, c'est bien connu. Mais c'est une nouvelle information, du moins pour moi, que pour la longévité des batteries, les températures plus froides pourraient en fait être bonnes, ou du moins légèrement meilleures que les climats plus chauds. Alors ça c'est l'admin, hein, du site qui dit ça, mais pour moi aussi je suis assez étonné pour le coup. Les batteries ressemblent beaucoup aux gens, elles vieillissent toujours. Nous pouvons prendre des mesures pour réduire cela, comme faire de l'exercice et dormir, ou des mesures qui les accélèrent, comme fumer et bronzer. Il en va de même pour les batteries, et être exposé à la chaleur ressemble beaucoup à fumer des cigarettes. Ouais, je sais pas quand même, hein. La comparaison est bizarre, hein. La chaleur ambiante apporte une énergie supplémentaire aux réactions électrochimiques dans la batterie, ce qui peut accélérer des réactions chimiques indésirables qui la font vieillir prématurément. Le seuil généralement accepté pour une dégradation accélérée de la batterie se situe autour de 30 degrés Celsius, soit environ 86 degrés Fahrenheit. Ok. Alors au final, on peut résumer que en disant que le froid diminue l'autonomie à l'usage, mais conservera un peu mieux la batterie sur le long terme. Ouais, je sais pas, hein. Je suis pas convaincu personnellement à 100% moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est crédible ou pas? Ciao.